Bonjour. Alors, c'était quoi ce message? Solomon. Qui vous en a parlé? Votre petit copain, et avant que vous vous mettiez en colère... Je vous en veux à tous les deux. Mais surtout à moi. Alors c'est qui ton petit copain? C'est quoi ça? Vous êtes tellement proches que vous faites des soirées pyjama? Il vient d'arriver. Il sort de votre chambre? Non, ça c'est la cuisine. Et si j'ai demandé l'aide d'Annalise, c'est uniquement parce que tu me rappelles pas. Tu veux dire parce que t'as pas les couilles de venir me parler tout seul? Je te l'avais dit. Je ferai tout ce que je peux pour qu'on puisse se parler. Pourquoi? Parce que tu es ma fille. Non, pourquoi tu veux qu'on se parle maintenant et pas au cours des 30 dernières années? Parce que t'avais peur que les gens l'apprennent et que ça bousille ta réputation? J'avais surtout peur de mourir sans ne jamais faire ta connaissance, Michaela. C'est pour ça que je suis là et que j'ai demandé l'aide d'Annalise. Je veux une place dans ta vie. Il vous a signé un chèque en blanc, à vous aussi? Pardon? Oh, il vous l'a pas dit? Ne me dis pas que tu as fait ça. Cet argent, tu me l'as demandé, Michaela. Oui, parce qu'elle voulait te tester. Ok, dis-moi ce que tu veux. Même si tu veux que je disparaisse définitivement. Parce que je ferai tout ce que tu me demanderas. Ce que j'aurais voulu, c'est que tu sois là à chaque fois que Trichelle m'a rappelé que pour elle, j'étais rien d'autre qu'un chèque mensuel de l'État. Ou que tu casses la gueule des parents, dont les enfants me traitaient de pauvres bâtardes, ou que tu empêches mes profs de me coller dans un institut spécialisé parce que j'étais terrifiée, parce que je vivais dans une ville raciste où même les enfants me rejetaient. Je m'en veux énormément d'avoir été un mauvais père. Eh ben, je t'en veux aussi. Et à vous aussi. Mais principalement à toi.